Donc je disais, il nous reste 100 boosters, on y va maintenant. Est-ce qu'après on va se servir de ces cartes? Non. Voilà, non. C'est comme si je vous disais, les gens qui ouvrent des caisses sur CSGO, après ils jouent à CSGO. Bah non. Donc moi on va pas jouer Hearthstone, alors qu'on fait des packs opening Hearthstone. On peut pas tout faire, hein. On n'est pas... voilà. Déjà on est youtubeur multigaming, on essaie de se mettre dans les vibes actuelles pour séduire les jeunes. Voilà, on met des lunettes et une casquette pour cacher les calvicies et les poches sous les yeux dû au fait qu'on a bientôt 50 ans. 60, 70. Bon, on fait ce qu'on peut. On met de la barbe pour, voilà, mais pas trop, on la rase un peu, hein, pour pas paraître trop vieux. On essaie de séduire les jeunes un maximum. On peut pas tout faire. Joue sur le chat qui a changé depuis que tu joues assis. Bon, voilà, pas tout faire. Allez, c'est parti. Mondaine de Gadgetzan, avocat commis d'office, maîtresse des mélanges. Commune dorée. Commune dorée. C'est la première des 100 paquets. On est donc à 1%, vous le savez. Statistiques sont édifiantes. Non, on fera les vraies statistiques à la fin. Rare. Rare, 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 rare. 98ème paquet. Alors j'ai actualisé le compteur de sub aussi, évidemment. Parce qu'il n'était pas actualisé avant, avec tous les subs d'avant, donc là c'est bon. Rare doré. Rare doré. Génial, agent du Lotus. Légendaire. Et une petite légendaire, c'est Caprage. Merci pour ton sub en tout cas, et tes encouragements. Épique. Merci pour cette légendaire. Première carte épique. Épique doré. Épique doré, juste après. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux épiques? Non, on va pas le dire. Légendaire. Et légendaire, il s'agit d'Abola86 pour cette deuxième légendaire de cette session. Merci à toi pour ton sub. Merci beaucoup. C'est parce que tu as une partie de Civ 6 qui va commencer soon et que tu veux finir vers 5-6 heures, à vous. Non. C'est mal me connaître. Merci Gilbert. Rare. Donc flingueur enragé d'ombre. Pas viande, pas viande. Pas viande. Rare. Rare. Ok, motard wargun. Lépreux occulte. Un lépreux occulte. Pourquoi pas, pourquoi pas. Rare. Épique dorée. Ah, et la deuxième épique dorée. On en a déjà plus qu'en 100 paquets avant. Statistique globale. Et ouais. Épique. Ah, une carte épique, formidable. On est déjà à 2-0-2-0-2. C'est excellent. Ça avance bien. Ça avance bien, peut-être une légendaire dorée. Qui sait? Rare. Who knows? Who knows? Alors. Nice, le plus 2000 subs depuis le début du stream. On n'est pas exactement à 2000, hein, c'est presque 2000, hein, s'il vous plaît, d'ailleurs abonnez-vous. Mais ouais, ouais, bah ça plaît bien les streamer stone, hein. J'ai déjà remarqué ça. Rare. Ça plaît bien. Pack opening, c'est l'avenir. Hein. Tire le contenu vers le haut. Allez. Rare. Ah. Légendaire. Merci Aya pour ton sub. Voilà, à la Zerator Télévision. Et merci pour cette légende. 89ème paquet. Rare. Rare. Tu l'as dit, si, ça peut être le 89ème paquet. Juste, c'est pas le 89ème qu'on ouvre, mais c'est le 89ème paquet, au même titre que celui-ci et le 88ème. Vous comprenez? Moi, c'est une bonne légendaire Aya, je suis d'accord. D'accord avec vous. Rare. Je suis d'accord avec vous et je m'y connais. Ah oui, je m'y connais. Ah oui, oui, oui. Épique. Rare. Calme, épique. Troisième carte épique de nos paquets. GG à nous. Rare. GG à nous. Rare doré. Ah, rare doré. Oracle Jinyu. Rare. Qui s'abonne à la Zerator TV. Rare. Ok. Alors juste, je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'il y a 132 nouvelles cartes dans cette aventure. Et là, nous en ouvrons 1000. Donc on verra si on a tout le deck. Rare, rare. Mais j'imagine que oui. J'imagine que oui. Épique. Je pars en toilette 5 secondes, il y a une légendaire. Ah ben faut être attentif, hein. Faut être attentif. Alors, coup de poing en laiton. C'est pas mal, ça. J'aime bien les graphismes. Ça fait cher le poing américain, mais bon. Enfin, le point Pandachan, j'imagine. Mais ça va.
ou le point Mogushan, mais là on sait pas. Là on sait pas. Rare. Détruis un serviteur et un de vos cristaux de mana. Bon, bien. Je suis quand même un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas 10 000 viewers. En général, le pack opening a 10 000 viewers. Alors peut-être parce qu'on n'est pas le jour de l'extension. C'est vrai qu'en général, je le fais le jour de l'extension exprès pour voilà, profiter de la hype globale et montrer que moi aussi, je sais faire du contenu sur ce jeu. Mais malheureusement, là, je suis très déçu. Très peu de viewers pour ce contenu pourtant de qualité. Je suis un peu... Voilà, ça m'a demandé pas mal de préparation, je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave, hein, tout ne peut pas plaire, pas tout faire. 81ème paquet, mesdames et messieurs. Allons-y. Rare. Rare, potion de métamorphose. Légendaire. Attendez, on a eu une commune dorée, on a aussi Bourbinja qui s'abonne à la Zerator Télévision. Merci beaucoup, invoque de Murloc de votre deck chaque fois qu'il attaque et tue un serviteur, pas mal. Ça peut être rigolo si on le protège un petit peu. Merci à vous. Bon, vous pouvez donc je prédire un légendaire sur le 5ème paquet vu que nous sommes le 5 et que cette date signifie mon anniversaire. Espérons que cela te porte chance. Comment on dit Ike quoi? Ike que quoi? Non, Ikea 5. Ah, Jiraya m'a dit, j'espère que le titre de la vidéo ce sera Epic Opening Ultra Rare Légendaire Insane Réaction Gameplay FR en français par Zerator. Et alors évidemment, je garde ça dans un coin de la tête et je me le note. Merci à toi, voilà. Merci à toi, évidemment. J'ai été tweeté par le maître des openings, que puis-je faire maintenant? Ma vie est refaite, 5ème carte épique. Merci à vous, Boucanier, porte gris-gris. Merci Ludovic, en tout cas, pour ton aide et ton soutien. Ça me fait plaisir. Ludovic, que vous verrez sur cette télévision pas plus tard que la semaine prochaine, oui! Pour les hot dogs, mais ça tout le monde le sait, inutile d'en parler. Commune dorée! Commune dorée! Nous sommes à la 5ème commune dorée. On est déjà à 5-2-2-0-5. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, 5-2-2-0-5. On est sur quelque chose de très bon. Très très bon. Ouais. Rare. Ok. Ok, énorme. Rare. Rare. Ok. Rare. Ok, rare. 74ème paquet. Rare. Oh, on est allé plus vite là. Calmons-nous. Calmons-nous un petit peu. Calmons-nous un petit peu. Du calme, du calme. Rare. Shuriken de jade, une carte assez rare. Je ne l'avais pas encore. Je ne l'avais pas encore. Potion de gel. Flingueur. Rare. 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 Massacreur abyssal. Bon. Pourquoi pas? Éclair de jade. Volchant de la cabale. Géniaque de contrebandier. Enquêteur perspicace. Rare. Et une dernière rare pour la route, bien évidemment. Oui. Salut Papa Matt 2009, merci pour tes 12 ans de sub. 12 ans de fidélité, c'est incroyable. Essayez un mouvement d'épaule pendant l'ouverture, je pense que ça joue. Épique. T'as raison. Sixième carte épique de notre deck. Épique. Ah ouais, pas mal hein. Septième carte épique. Ok, Limon dégoût toxique. C'était la même, non? 69ème paquet. 10 cristal, Seigneur Ozen, Shuriken de Jade, Marc du Lotus. Rare. Rare. Quatre Murlocs et un enterrement. Soigneur Ozen. Rare. Petite rare, Agent du Lotus. Et Marc du Lotus. Agent du Lotus, Marc du Lotus. 4 Marège Murloc et un enterrement. Formidable. 67ème paquet. Oui. XX Romanet X s'abonne à la Zerator Télévision. Merci beaucoup pour ton sub. Quelqu'un va me dire pourquoi il est connu. Il est connu pour son deck building Hearthstone avant tout. Mais aussi quelques streams sur Overwatch et sur Heroes of the Storm. Je suis spécialiste Blizzard.
J'ai joué à WoW aussi ces derniers temps, j'ai testé la nouvelle, là, la Légion, je sais pas quoi, et je ça m'a pas trop plu, j'ai pas... Rare, cash down. Druide. Laquais de la cabale. La comté laquais. Frodon laquais. Ce que vous voulez. Rare. Un de mes collègues Modo de chez Link et Terra me nargue en me demandant pourquoi je ne suis pas Modo. Ici aussi, enfer, je ne rien répliquer. Mister Hologramme, j'en ai aucune idée. Peut-être parce que tu ne l'as tout simplement pas mérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors. Rare. Mais Link, c'est pas vraiment un streamer, il fait des études. Un streamer qui fait des études. Pourquoi pas un streamer diplômé aussi? C'est n'importe quoi. Non, franchement, je pense pas que ce soit un vrai streamer. Rare. Il faut un sérieux un moment. Épique. 8. 8ème carte épique, merci à toi Marshall Malhonnête. Formidable, 64ème paquet. On y va. Alors, gyromancienne, maître de groupe fou, gadget 10 heures, rare. Et une rare. Hop. Très bien. Porte-flingue, caisse de contrebandier, rare. Bien sûr qu'il a terminé, je sais, mais là il en faisait jusqu'à il y a quelques semaines. C'est très bien. Moi, je connais mieux sa vie que lui, c'est mon frère. Alors, Royaume de Mana. Légendaire. Une petite dorée. Légendaire dorée. C'est Madame Goya qui s'abonne à la Zerator Télévision. Cri de guerre, choisit un serviteur allié et l'échange avec un serviteur de votre deck. Rare. Et nous avons donc vu notre légendaire dorée. Légendaire. The fuck, mate? What the fuck, mate? Chum Chum également? Eh ben ça, c'était un sacré paquet! Et on lui file un sacré paquet de pognon! Bon. Merci beaucoup, Chum Chum, pour cette générosité. Et the fuck, mate, pour l'autre. Alors! Alors! Je fais bien l'archimage, je voudrais pas. Rare. Moi, je trouve que je le fais bien. C'était un bon highlight. Épique. Épique. 9ème carte épique. Voilà. Merci beaucoup. 10 000 euros, c'est pas rien. Bah ouais, c'est pas 10 000 euros qui vont faire la différence. Mais après, c'est pas rien non plus. C'est sûr. Hein. Là, le don de 10 000 euros de Chum Chum, c'est sûr qu'il fait la différence. Hein. Tellement qu'il fait la différence, il s'actualise même pas en bas à gauche là. Pff. Mais rien ne s'actualise, les subs marchent pas. Les... Enfin, le sub count. Rare. 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 Rare doré. Alors, il est donc prouvé pour l'instant statistiquement qu'il est plus rentable d'ouvrir des cartes après 21h41 qu'avant. D'accord. D'accord. Commune dorée. Commune dorée. Imaginez Hearthstone IRL pour se balader avec ton deck à côté, c'est Tokaiba et sa valise c'est de la pisse de Trog. Trop hâte de voir l'animation du désenchantement de masse. Mais alors Redzu, tu sais qu'il y a des... justement donc des japonais qui ont fait une vidéo sur Hearthstone IRL. Rare. Qui est d'une qualité très amusante. Tu peux la trouver sur un site de vidéo connu. Et encore, je sais même pas. Je l'ai vu passer, je sais pas où. Si un modérateur veut la liker, qu'il se fasse plaisir, sinon tant pis qu'il meurt. Rare. Ok, rare, potion rouge furie, seigneur Ozen, potion de gel, 55ème paquet. Rare. Ah. Légendaire. Et nous avons donc le maire Brouille Caboche, donc Noggenfogger, bien sûr, puisque vous savez que l'élixir Brouille Caboche, avant était l'élixir de Noggenfogger. Pas Fokker. Fogger, Noggin Fogger, d'accord? Brouille caboche. Bon, toutes les cibles sont choisies de façon aléatoire. 9, 5, 4. Très bien. En parlant de diplôme dans ta VOD sur CSGO, tu parlais du tien, du coup qu'elle ne fait pas ma stupéfaction lorsque j'ai appris que le streamer de feu avait le même diplôme que moi, sauf que j'ai opté pour la programmation et toi le réseau. Et c'est Monster Hall. Comme si je n'existais pas. Commune dorée. Elle est passée à côté de moi. Commune dorée. On est à 8 et non pas 7. Ah, 7 à Paladar. Rare.
comme disait Illidan dans Warcraft 3, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Allez, on continue. On est sur une rare, on arrive presque à la moitié de ce pack opening. Rare. 51ème paquet. Épique. Épique. Rare. On va actualiser la 10ème carte épique. Et nous sommes à la moitié. Ce qui veut dire que statistiquement, on aura forcément à la fin de ce pack opening 20, 6, 4, 2 et 16. Si on n'a pas ça, c'est que le jeu est mal codé. Voilà, c'est parti, on y va. Rare. Ok. Voilà. Rare. Enfin, pas codé, pas mal codé, mais plutôt injuste, on va dire. Excusez-moi. Rare. Rare. Carte paladin. Ah, c'est logique. C'est statistique, hein, c'est pas moi. Rare. Bon, je ne fais que me servir d'un concept statistique et logique puissant afin de vous exposer les théories de la vérité. C'est tout. C'est tout. Rare. Ok, rare. Rare. Rare, 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 rare. Allez, go. Ce sont des mathématiques, hein. Vous êtes jaloux, c'est pas ma faute. Rare. Épique. Ah, 11ème carte épique. On continue. 45ème paquet. Rare. Un paquet sans intérêt. Vite le suivant. Rare. Rare. Paquet avec moins d'intérêt. Waouh, ça s'est ouvert tout seul. Même pas eu besoin de drag and drop. Le jeu veut que j'aille plus vite. Rare. Formidable. Ok. Fais gaffe, tu vas trop vite. Non, mais le jeu veut que j'aille plus vite. Tis Crystal. Rare. Shuriken de Jade. Rêveuse Céleste. Ok. Commune dorée. Commune dorée. Rare. Rare. Commune dorée. Dixième commune dorée. Formidable. Journaliste intrépide et William de Mana Rouge. D'accord. Allez. Ah, tu fais bien de le rappeler, Ketuki. Quelqu'un vient de dire dans le chat, Ketuki a dit je vous rappelle que Zerator a eu un prix Nobel de statistique. Donc merci. Rare. Épique. Ah, épique. 12ème. 39ème paquet. Rare. Rare. Chaîne de Jade. Bon. 38ème paquet. Rare. Rare. Alors, rien à redire sur ce paquet. À part que quelqu'un avait dit légendaire 38ème paquet, mais bon, ça on peut le dire pour tous les paquets. Commune dorée. Commune dorée. 11ème. Rare. 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 30. 36ème paquet. Rare d'oreille, usurière des dissoudeurs. Ok, moi ça me va. Moi je suis d'accord avec ça. Pourquoi pas. Les épaules. Ah non mais les épaules, faut pas en abuser. Faut pas en abuser des épaules, sinon vous avez des abus. Ok. Ok. Épique. Épique. 13. 13ème carte épique. Hein. Ouais. Excusez-moi. Non, je rigolais. Allez, d'accord. Rare. Rare. Vous avez vu ces APM, ce aim? Vous avez vu ce aim que j'ai? Oh, what an aim. Wow, ace dude. Allez. Waouh! J'ai carrément fait laguer la frame tellement je suis fast. Rare. Ah. Ok. Pourquoi pas.
Ok. Ok. Bémote de jade, qu'il est laid. C'est un éléphant. Rare. Éléphant de jade, bon, voilà. Ça doit être très lourd. Plus lourd qu'un vrai éléphant. Si, si. Si, 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 si. Rare. Ok. Parce qu'à la place des 20 euros de giveaway de tout à l'heure, on peut pas avoir une heure de coaching gratos personnalisé sur Hearthstone. Oh non, 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 c'est bien plus cher. Non, c'est hors de prix. T'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Longtemps qu'on n'a pas eu des vrais loot là. Est-ce que ça pourrait s'accélérer s'il vous plaît? Parce qu'il reste assez peu de paquets quand même. J'aimerais pas que ma vidéo soit mauvaise sur YouTube. 29. Rare. Épique doré. Et ben voilà, il suffisait de demander. Épique doré, organisatrice de combats, qui donc a une pièce qui vole au-dessus de sa main. Sorcière. Sorcière! Rare. 27ème paquet, allez! Rare doré! Petite rare doré qui fait plaisir, gangster, hey ho! C'est là qu'on se rend compte que la mèche est allumée par ce. Cette petite. Voilà! Cette petite. La mèche est allumée là. Le tir est fait par cette mèche qui est allumée ici. La mèche est allumée! La mèche est allumée! Bon! Épique! Ah, une carte épique, la 14ème, pour être plus précis. Rare! Rare! D'accord. 25ème carte! Pas terrible ces 50 là, mais ça va. Rare! Rare! Rare, 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 rare! Okay. Oui! Oui! Salut Icaram, merci pour tes 12 ans de sub, merci à toi, merci pour ton sub. Rare. D'accord. Ok, ok, ok. Bon. Rare. Potion volcanique. Lépreux occulte, porte-flingue secouée, je connais un gars, journaliste intrépide. On connaît les cartes, on commence à voilà, avoir du jeu, avoir de l'aisance dans les cartes, on connaît les cartes. Rare, cogneur médiocre. Or médiocre, hein, qui souvent est utilisé à mauvais escient. À mauvais escient. Puisque, bien évidemment, je veux revérifier la définition exacte. Vous savez que médiocre, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en disant que médiocre c'est nul. Mais en fait, médiocre c'est pas nul, c'est entre moyen et nul. Voilà. Quand on dit que quelque chose est médiocre, genre ce mec est médiocre, ça veut pas dire qu'il est nul à chier. Ça veut dire qu'il est entre moyen et nul à chier. Voilà, donc quand vous voulez dire, quand vous voulez signifier que quelque chose est entre moyen et nul à chier, vous utilisez médiocre. Mais en fait, médiocre a un terme très péjoratif, parce que le mot est péjoratif. Médiocre. Voilà, t'as envie de dire médiocre, ça pue la merde. Hein, c'est la même racine d'ailleurs. Pue la merde, médiocre. Hein, donc voilà, on a envie de se dire que c'est, ça veut dire que c'est nul. Mais en fait, non, c'est entre moyen et mauvais. Donc le mec médiocre est bien meilleur que le mec mauvais. Vous comprenez? Voilà. Allez! Médiocre, c'est bien, mais pas top. Voilà! C'est tout. Ouais, c'était pour vous. Remémorez ça, on avait eu ce débat la dernière fois. Formidable. Messagère de la cabale. Genre 5 sur 20, c'est médiocre. 0 sur 20, c'est du la chier. 10 sur 20, c'est la moyenne. 5 sur 20, c'est médiocre. Voilà, médiocre, c'est 5 sur 20. Voilà. J'ai aussi un prix Nobel en étymologie en effet. La même racine hein. Allez, je connais un gars. 19ème paquet. Commune dorée. Oula, stop, stop, stop. Commune dorée. Donc la 14ème. Épique. 15ème. Ah voilà, la fouine perce tunnel. J'ai cru que c'était une loutre tout à l'heure, mais en fait non. Rare. Et l'enquêteur perspicace. L'elfe. Les premières dorées qu'on a eues. Évidemment. Rare. Ah. Légendaire. Merci à toi Genzo qui s'abonne à la Zerator Télévision. Merci pour ton sub. Formidable. Allez. Rare. 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 Piqueur de démon des mers qui est en fait un murloc, non? Oui, c'est ça, c'est écrit là.
Ah. J'avais pas vu. Épique. Épique. La 16ème épique. Rare. Ah, coup de poing en laiton. Moi j'aime bien ce truc là. Ça fait un peu penser aux sortes de bijoux extravagants qu'on aurait pu trouver dans une caverne d'Ali Baba. Ah voilà. Typiquement. Ou dans la caverne du génie d'Aladin, si vous voulez, n'importe quoi. Épique. Qui fait référence à la même chose de toute façon. 17. Rare. Quasiment. Si Alibaba a 40 voleurs, Sherazade, 1000 histoires de cœur. 1000 nuits, 1000 histoires de cœur. Énorme. Énorme. Big up. Big up à toi. Big up à toi, machin. Comment il s'appelle ? Big up à toi. Big up à toi. Charles Darbois. Wouh ! J'ai failli oublier. On continue. Richard Darbois. Charles Darbois. Pff, Charles Darbois, ça n'existe pas. Richard Darbois, ouais, ouais, pardon. 13ème paquet. Épique. Épique, c'est la 18ème. C'est la 18ème. Ok, 12ème paquet. Commune dorée. Commune dorée, 15ème paquet. 15ème, 15ème commune dorée. Formidable. Ok. Rare. Légendaire. Et merci à Madame Goya qui s'abonne à Lazerator Télévision. Merci beaucoup pour son sub et son soutien à Lazerator TV. Ça fait plaisir. 10ème paquet. Rare. Cette fois c'est sûr. Elle est d'ailleurs. Bon. Épique. Ok, épique, pourquoi pas, 19. 19, 19. 19, j'ai dit, allô. Allô, merci. Rare. Merci, super, merci, merci. Donc je vous rappelle, on doit être à 26, 4, 2, 16, hein, pour que les statistiques soient exactes. 26, 4, 2, 16. Vous vous rappelez, hein. Rare. Ouais, rare. Encore. Ok. Rare. Rare. Sixième paquet. Rare. 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 Cinq paquets pour égaliser les statistiques et dire que ce jeu est équitable. Et logique. Rare. Oh mon dieu. Quatrième paquet. Allons-y. Ouais. Rare. Ouais. Et moi, je suis tombé en esclavage. Ok, troisième paquet. Les gens commencent à être perdus, commencent à dire dans le chat, il a pas oublié le légendaire doré, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il en a oublié une, les gens sont perdus. Alors que non, ils n'ont juste pas été attentifs. Épique. Épique, 20. Donc en deux paquets, il nous faut une légendaire, une épique dorée, une légendaire dorée et une commune dorée. Voilà, en deux paquets, il nous faut ces quatre cartes, ce qui est possible, hein. Ce qui est possible. Ce qui est possible. Rare. Alors. Alors c'est encore possible, il faut que ce soit dans le dernier paquet, il nous faut les 4 cartes. Donc je vous rappelle que dans ce paquet, vu que le jeu est bien codé et équitable, eh bien il y aura donc une carte légendaire, une carte épique dorée, une carte légendaire dorée et une commune ou une rare dorée. L'une des deux. C'est parti. Rare dorée. Voilà, donc là on a la première. Ensuite, ça c'est la carte qui compte pas. Et les 4 autres devraient être épique. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, ah non, une épique. Malheureusement, c'est une de trop. C'est bien dommage. Rare. On a quand même cette rare qui vient eh bien consoler notre échec. Donc voilà, on est à 21, 5, 3, 1, 16. Formidable. Maintenant, on va aller tout désenchanter, évidemment. Génération. Donc on va dans création. Désenchanter. Et voilà, on a donc 7910 poussières actuellement. C'est formidable. Maintenant nous allons, mesdames et messieurs, eh bien, actualiser les statistiques avec ce que nous avions. Alors combien on avait? Combien on avait? On avait 17. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ensuite on avait 4. 1, 2, 3, 4. Épique dorée, on avait 1. 1. Légendaire doré 0.
Et l'autre 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, après ces 200 boosters ouverts, les statistiques sont tombées. Mesdames et messieurs, voilà, les statistiques sont là-bas. Nous avons donc, mesdames et messieurs, et cette fois, il est logique de le penser et le dire, 3,8% d'avoir une chance d'avoir une carte légendaire, 0,9% d'avoir une légendaire, 0,4% d'avoir une épique dorée et 0,1% d'avoir une légendaire dorée. Et enfin, 3% de chance d'avoir une commune ou une rare dorée dans une carte de paquet Hearthstone, puisque nous avons effectivement ouvert 1000 cartes. Formidable, nous avons retourné 1000 cartes. Donc quand vous retournez une carte, eh bien vous avez voilà près de 4% de chance d'avoir une épique, près d'1% une légendaire, 0,4% pour une épique dorée, 0,1% de chance d'une légendaire dorée et 3% d'une commune ou d'une rare dorée. Mesdames et messieurs, donc voici les pourcentages sur nos paquets, puisque nous n'avons pas évidemment ouvert le 201ème. Évidemment. Voilà. Et ouais. Les statistiques. Le prix Nobel. Voilà. Nous avons ouvert 1000 cartes. Nous divisons donc par 10 pour arriver à un pourcentage de 100% et faire les statistiques. D'accord. Voilà. Ah, les animaux, doctorat en stats. Eh oui. Mais que voulez-vous ? La vérité fait mal à entendre. 4% de chance, 0,9% de chance, 0,4% de chance, 0,1% de chance et 3%. Je savais que ça allait vous mindfuck, mesdames et messieurs, mais ça me fait tout à fait plaisir. Alors là, on va faire le test de à quel point vous êtes opportuniste. D'accord ? C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une pause de 5 minutes, on va revenir, on va faire le giveaway, on va couper le live. Donc les gens qui vont rester là maintenant, ce sera pour avoir le giveaway des 20 balles. D'accord ? On va faire ça. Puis comme ça, moi je fais ma petite pause à 9K viewers pour l'inventaire Twitch, en faisant ça, et on revient dans 5 minutes. D'accord ? Allez, à tout de suite ! Ne bougez pas ! Merci beaucoup ! On revient !